Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où je vous présente 30 exercices de Pilates. Ce sont des exercices que vous pouvez pratiquer au quotidien pour renforcer le centre du corps, le dos et les abdominaux. Dans cet exercice, je vous présente le roll-up, un bon exercice pour renforcer les abdominaux. Mais avant, je me présente rapidement, je suis Fabien, fondateur de Roule sur la forme, des programmes d'entraînement pour bouger mieux au quotidien. Le roll-up, pour cet exercice, vous avez besoin simplement d'un tapis. Donc je vous invite bien sûr à réaliser cet exercice avec moi. Veuillez vous placer assis, les pieds bien au sol. On allonge la colonne, vous allez chercher à vous grandir. Venez placer le bout des doigts derrière les cuisses. Hop, posez simplement le bout des doigts derrière les cuisses. On soulève la poitrine, cherchez un auto-grandissement. Les épaules sont basses, on inspire, petite inspiration. Expirez, vous allez contracter les fesses et rentrer le ventre. On va arrondir le dos, on va dérouler les lombaires vers le sol. On arrondit le dos, gardez le regard loin vers l'avant. Sentez bien l'engagement au niveau de la sangle abdominale. On essaye d'avoir une colonne vertébrale allongée, donc courbée, mais également allongée. On inspire. Et sur l'expiration, donc ça part du bassin, on va se redresser et soulever la poitrine. On inspire. Expirez, contractez les fesses, rentrez le ventre, engagez le plancher pelvien, c'est le stop pipi, le stop gaz, on souffle, on rapproche le bas du dos du sol, on inspire, on reste là, et expire, on rentre le ventre, on contracte les abdominaux, on engage les fessiers, hop, on bascule le bassin, en téversion du bassin, et on soulève la poitrine. On y va, on enchaîne ça, on va faire à peu près 4 à 5 répétitions. Inspire. Expirez, contractez les fesses, rentrez le ventre, hop, on déroule les lombaires vers le tapis, hop, vous pouvez descendre aussi bas que possible, donc vous arrivez à maintenir la position, on inspire latéralement au niveau des côtes, toujours le regard loin devant, la colonne courbée mais allongée, et expire, on engage, plancher pelvien, on rentre le ventre, on bascule le bassin, on roule les fesses sur le tapis, et on se redresse, posture. Expire, expirez en faisant de la buée sur une vitre. Contractez les fesses, engagez le bas des abdominaux. Inspire. Et expire. Hop, le bassin en premier. On se redresse et on soulève la poitrine. Inspire, souffle. Les fesses, le bas des abdominaux, le plancher pelvien. On rapproche le bas du dos du sol, épaules basses. N'oubliez pas, garder le regard vers l'avant. Ne rentrez pas trop la tête. Inspire. Et expire. Et on se redresse. Encore deux fois. On souffle. Contractez les fesses. Rentrez le ventre. N'oubliez pas, vous n'agrippez pas trop vos cuisses. Vous pouvez simplement avoir les bras devant. On a juste le bout des doigts derrière les cuisses. Les épaules sont basses. Expire. Et on redresse. La prochaine, on va essayer de descendre un peu plus bas. On souffle. Les fesses, plancher pelvien. On avale le nombril. On rapproche le bas du dos du sol. Inspire. Expire. Le bassin, on redresse. Auto-grandissement. Sortez la poitrine. Parfait. Très bien. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet exercice, vous avez une zone de commentaires en bas, dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, si vous avez apprécié cet exercice, eh bien n'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air. Je vous invite à aller sur le site internet roulesurlaforme.fr, vous y retrouverez différents programmes d'entraînement pour eh bien, améliorer votre mobilité, c'est-à-dire pour bouger mieux au quotidien, vous y retrouverez également des programmes de Pilates. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bien sûr, ciao ciao.